Les sanctions économiques qui frappent la Russie suite au conflit ukrainien devraient être prolongées pour une durée de 6 mois. Selon l'AFP, la décision sera entérinée la semaine prochaine. De son côté, la Russie maintient l'interdiction d'importer des produits alimentaires européens sur son territoire. Du coup, dans les supermarchés russes, les fruits, les légumes, la viande et les produits laitiers européens ont disparu des étals. Oui, le fabuleux fromage français est remplacé par un substitut produit en Russie, dont la qualité ne fait que s'améliorer. Ce processus de remplacement suit son cours. Invité au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Jean-Claude Juncker tente d'apaiser les tensions sans faiblir sur les accords signés entre l'Ukraine et la Russie. Je vais être clair. L'Union européenne et le G7 sont unanimes sur les accords de Minsk. La Russie doit les respecter. La prochaine étape est évidente. C'est l'application intégrale de ces accords, ni plus ni moins. C'est la seule façon de reprendre le dialogue et d'envisager une levée des sanctions économiques. Le protocole de Minsk impose un cessez-le-feu et un retrait des armes lourdes dans les territoires pro-russes de l'est de l'Ukraine avant l'organisation d'élections libres. On est encore loin du compte.